On vient tous d'un ailleurs, avec le soleil dans le cœur, pour un meilleur devenir du monde à venir. L'homme a toujours voyagé à travers les âges unifiés. Depuis l'aube de l'humanité, on a dû s'en mêler. Métissage en héritage, métissage intemporel, c'est tout un bagage originel. Hey, hey. Métissage en héritage, métissage intemporel, c'est notre bagage social culturel. Hey, hey, hey. Il faut l'esprit d'union pour vivre en communion, car le monde est si petit. Le fait qu'on se mélange est une grande chance, car ça nous lie. Pour le meilleur et le pire, on échange nos cultures pour les générations futures. Le monde est devenu un village planétaire, alors le métissage est la chose à faire. Métissage en héritage, métissage intemporel, c'est tout un bagage originel. Hey, hey. Métissage en héritage, métissage intemporel, c'est notre bagage social culturel. Alors, métissage en héritage, lolu moy titre bi nga xamné mom ngeen non déglu. Tay nak xamna né du ñak ngeen xaw ñu clash tout parce que invité biñ fi amone ci suba ci wolof bi taxuko lèr bi ñi dalalat itam wolof mom danaka salam aleikum aleikum salam la ci xam Vali elle tuddu mais bon on va essayer hein dañu jëm xol ba xam dinañu wuyu en wolof. Salam aleikum. Aleikum salam. Yaay ci jamm. Magi ci jamm. Yaay ci jamm bu baaxa baax. Je comprends pas. Ce Alors, vous êtes. Merci d'abord d'avoir répondu à l'invitation de 12-14. Nous sommes ravis de vous recevoir. Vous êtes belge, je pense. C'est ça, je suis d'origine belge. D'origine belge, oui. Sénégalaise, en tout cas dans le cœur. Voilà, hein. C'est ça. Donc, nous oui. venons de regarder métissage en héritage. Pourquoi juste... métissage en héritage En fait, c'est un. On a fait un featuring donc, avec du lai. En fait, parce qu'on dit que quelque part. On est toujours métissé, quoi qu'on, d'où on vienne. De tous les temps, l'homme a toujours voyagé et on a toujours fait des métissages. D'accord. Pourquoi le featuring avec Doulay, le choix de Doulay? Vous pensez qu'on n'a pas assez de reggaeman ici? Parce que Doulay, si. il est plus dans l'ombre. C'est ce que je lui dis tout le temps. Il se cache. Hein? Oui. C'est un reggaeman qu'on ne voit pas souvent sur les plateaux de télé ou alors même sur la scène musicale sénégalaise. D'ailleurs, nous le recevrons bientôt. Mais oui. pourquoi ce choix porté sur Doulay? Bien, parce que j'ai travaillé avec lui pour plusieurs de mes morceaux donc, dans son studio. Et donc, nous avons décidé ensemble de faire donc, ce featuring. D'accord. Vous faites de la musique depuis quand? Je fais de la musique déjà depuis toute petite, mais je faisais de la chanson française avant. Ok. Pourquoi ce changement? Chanson française, slow et tout, reggae. Reggae, c'est parce que j'ai toujours voulu faire du reggae. Voilà, c'était un peu dans, je vais dire, dans ma fibre. J'avais envie de faire du reggae depuis déjà très longtemps. Ok. Et bon, je dis, voilà, je me lance dans le reggae parce que... C'est quelque chose qui m'anime et qui m'a toujours fait plaisir. Vous voulez traduire un peu? Oui, traduire. Je disais donc que le français était très, très bien parlé et je ne m'attendais même pas à avoir un très bel accent venant de la part de ma sœur parce qu'on ne l'entend pas souvent parler français sur le plateau. Oula à là parler de tout prochain. Non, mais bon, c'est déjà très beau ce que vous faites. Et ce que je disais justement, c'est que j'allais traduire. J'allais traduire. Pour tous les téléspectateurs. Qui regardent. Voilà, qui regardent. Donc déjà, Lumi expliquez-moi, mon foumoutolini de faire gagner single, mon de côté métissage. Manam, Diaraso, l'ambisobi, naramana, un petit dégainté chéti. Parce que mon diapenané, même bonne équipe, ni de kounoul, voilà, ni de koué, bouni sete, basset, word by word, amna fo hamantene, Diaraso, n'a pas ben chet, voilà, l'al n'a pas ben chet. Mon nak, l'ol le bougon ou anetaï, mon tamou gagné, ouai, de ce clip, New Fibre, Sénégal,
partager avec nous l'amour de la culture. Sénégal. Et avec le Sénégal, justement, de futuring. Pour voir le brassage qui nous a fait. Il y a une musique qui est reggae, même des chansons variétés françaises. Madame Baudelaire, nous sommes équivalents, nous sommes super internationaux. Il y a une fille, Dingalam.